Rebonjour à toutes et à tous. Donc nous voilà en direct pour les demi-finales du National Mixte de Dijon, qui je vous rappelle a lieu à Fenay. Donc une fois de plus, nous avons encore l'équipe de Mallory Perrin et Jonathan Chevalier de Saône-et-Loire qui seront opposés à Rigaud Maria et Poifol Gilles de Côte d'Or, Vénarel et Lôme et Le Lac. Donc la deuxième demi-finale oppose Kelly Fuchès et Arnaud Drocourt de la pétanque de Mirbeau qui seront confrontés à David Defosse et Véronique Demuth. Donc là pour la première main, on n'est pas très loin, Gilles a envoyé le bouchon à 7 mètres, Maria a pas trop mal pointé et John a embouchonné. Donc on a Gilles Poifol au tir. Donc je rappelle, hein, Gilles Poifol, demi-finaliste, quart de finaliste et huitième de finaliste sur la France vétéran. C'est tapé pour Gilles. J'attends toujours deux secondes après qu'ils aient joué pour commencer. Mettre le truc. Voilà, donc là, John est mal tombé. Il a laissé le point à Maria et à Gilles. Quand il joue, mais quand il joue là, tu le dis tout. Comme j'ai fait ce matin. Juste que ce matin, j'avais la vidéo, là, je l'ai plus. Ouais, je sais. Donc, John a perdu le point. On est parti tirer pour Mallory. C'est manqué. Donc, et dans le concours B, on assiste aussi à une belle demi-finale avec Sébastien Lorrain et Elisa Colino, trois fois finaliste de National de Vénarel et Lôme et deux fois finaliste de Dijon. On les appelle les Poules d'Or maintenant. Ils sont en demi-finale et ils sont opposés à l'équipe de Vaux et Palella de Saône-et-Loire. Alors après, je vais essayer de vous donner les informations des autres parties aussi. Donc là, John a reperdu le point et Mallory a manqué la boule. Donc une belle main qui se présente pour Gilles et Maria. De l'autre côté, donc en demi du B, Alan Guyot et Irène Barcelo de la pétanque de Dans Paris qui sont opposés alors à une équipe que je ne connais pas, que je vais essayer de trouver les noms. Et sinon, c'est gagné là pour Mallory à la dernière. Donc on a Gilles qui se présente au tir. 4 boules en main et il tire au point. Et c'est pas très très long. Ils peuvent faire un beau début de partie. Et bien c'est tapé pour Gilles. C'est tapé pour Gilles, donc du coup 3 boules en main, le point par terre, un petit peu de place pour rajouter. Il devrait ouvrir le score de la partie. Alors c'est bien pointé pour Maria, mais c'est juste passé. Gilles tire à 2. Alors que de l'autre côté, ce matin, on a eu un retournement de situation entre Kelly Fuchès et Arnaud Drocourt de la boule de Mirbeau qui ont gagné contre Nadège Rodriguez et Clément Duvernet 13 à 11 après avoir été mené 2 à 9. Et donc là, on voit Gilles qui vient de tirer à 2, qui a tapé la boule et qui laisse un bon mettre à Maria pour mettre le troisième. Je pense qu'il n'y en a que deux. Ouais, c'est ça, donc démarrage pour l'équipe Poifol Rigaud. 2 points. Et donc le score est 2 à 0 face à Chevalier Perrin. Il n'y en a pas là.
De quoi? Si, là, avec celui-là. Attends, mais tiens ça. Là, le premier marié à gauche. Mais si. Là, c'est pour la dixième. Dans le trou coupé, nous allons jouer dans 10 minutes. 22, Perio Courma, Pin. Voilà, Joanie, Sori. 22. Ça va, petit. Ça va. J'ai eu un peu de mal à évacuer le. Ouais, je me doute. Le choc de Boubou. Bonjour, monsieur Chambreau. Voilà. J'ai un peu de mal à évacuer, hein, c'est. Deux. Enfin, bon, il souffre plus, hein, elle m'a dit, elle comme il était, elle m'a dit, j'ai causé avec elle, elle m'a dit, les 15 derniers jours, elle m'a dit, même moi, j'arrivais plus à les voir. Hein. Ouais, dur. C'est compliqué. Puis c'était quelqu'un de solide, en plus. Ouais, je sais. J'ai aucune chance. Pas facile, hein. Un mec de Metz hier, il m'a dit, il nous a fait dépixer. Donc là, le bouchon de la Maine est à peu près à 9 mètres et on a vu un bel appoint de Maria Rigaud et un beau tir de Mallory Perrin. Donc les deux boules sont sorties du cadre. Non, la boule à Maria est encore dans le cadre d'à côté. C'est très bien joué de la part de Jonathan Chevalier. Donc je profite aussi de ce direct et pour rendre un hommage à monsieur Daniel Dupont, Diboubou, qui nous a quittés cette semaine. Voilà, toute la pétanque de Côte d'Or, le comité, tous les clubs de Côte d'Or sont de tout cœur avec sa famille. Donc on est parti tirer. Pour Gilles Poifol, après le beau point de Jonathan Chevalier, un petit peu court, c'est sauté. Elle a rebondi, je pense qu'il va y retourner. Pour jouer, terrain numéro 4 dans le concours A, Mathé Doré, Gaël, contre Bianco Stéphanie, terrain numéro 4. C'est manqué double. De la part de Gilles. Alors, je vais essayer de vous tenir au courant des autres parties. Donc, ça veut dire la deuxième demi-finale du A qui oppose deux buts de fausse contre Fuchès Drocourt et ainsi que les deux demi-finales du concours B. Parce que même si ça reste, comme on dit souvent, un concours B, c'est des concours qui sont très relevés avec de très belles équipes. Donc là, on revient à la partie. Maria, je pense, a un petit peu échappé sa boule. Hein. Parce que là, elle est à bon mètre 50 derrière. Ils ont encore deux boules en main et quatre boules en face. Donc, faut serrer le jeu. Alors, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Ça n'a pas gagné, mais c'est bien joué de la part de Maria. Je pense que le grand, il va essayer de se coller au cul de la boule de devant pour essayer de limiter un peu la casse. Donc c'est la dernière boule qui va arriver de la part de Gilles Poifol et encore deux boules à John Chevalier et deux boules à Mallory Perrin. Donc une main qui se présente bien pour eux. Tout dépend de la dernière. C'est hyper bien joué de la part de Gilles qui vient de gagner le point, qui était quasiment ingagnable. Ah oui.
Donc c'est tapé de la part de Mallory Perrin, c'est tapé. Alors je pense que le vrai jeu c'est de tirer à celle de gauche. Si elle a le bonheur de taper celle-là, je pense que John va rajouter, ils peuvent faire 3 points sur la main. C'est plus que taper, c'est carreau. Donc voilà, 2 points par terre pour l'équipe de John Chevalier et de Mallory Perrin. Et 2 boules en main pour John encore, pour essayer de rajouter, d'en faire 4. Alors ça c'est pas très bien joué, je pense qu'il y a un peu trop d'assurance, hein. Il y avait un bon mètre pour rentrer, je pense qu'il y a un petit peu trop d'assurance de la part de John qui a joué sa boule assez vite pour moi. Et là du coup il l'a pas gagné. Alors peut-être qu'il tire à 3, je pense qu'il tire à 3 parce qu'il y va. Mais 3 ce serait le minimum payé sur la main. Hein. Ben, 4 s'il fait carreau, mais s'il fait pas de carreau il en fait que 3. Hein. John qui se reprend. Eh bien c'est manqué, donc c'est pas cher payé hein, pour l'équipe de John Chevalier et de Mallory Perrin. 2 points sur cette main alors que je pense que les 4 étaient pas très durs à mettre. Donc eh ben 2 à 2 entre Rigo Maria et Poifol Gilles contre Perrin Mallory. Chevalier Jonathan, donc 2 partout. Je vais aller essayer de me renseigner pour les scores de toutes les parties d'à côté. Voilà. Au moins l'ennemi là-bas, Pat. Hein? Au moins l'ennemi oui, du A après. La caméra, bon, tout ça. Ah, bah oui, oui. Donc là, on a un bouchon qui est à peu près à 9 mètres, 9 mètres 50. Écoutez, bel envoi de Jonathan Chevalier hein, qui vient d'embouchonner à 9m50 et qui oblige Gilles Poifol à aller au rond tout de suite. Donc Gilles quand même qui reste sur 2 trous hein, alors on sait que c'est jamais facile hein, demi d'un national mais bon Gilles a plus rien à prouver hein, ça reste un des 10 meilleurs joueurs de la Côte d'Or. Kelly de là. Kelly de là. Alors que là-bas sur le terrain B, Kelly Fuchez et Arnaud Drocourt mène 2 à 1 face à Véronique Demuth et David Defosse. À côté de deux. En demi-finale du concours B, l'équipe de Dans Paris, Irène Barcelot et Alain Guyot sont 2 partout. Alors je suis désolé pour les adversaires mais je ne les connais pas. Et là je ne vois pas les noms. Et je vais essayer de vous trouver le score. Je vais demander à côté entre Faniveau et Palela contre Laurin et Colino. Je vais essayer de demander le score à côté si vous avez juste 2 minutes. Quatre à zéro pour Sébastien Laurin et Elisa Colino. Tandis que là on vient de voir que Gilles Poifol a manqué sa première boule. Ouais, c'est bien tiré la deuxième, c'est cadré. Petit palais à 80 derrière, c'est cadré. Donc en tout cas depuis ce matin, on voit des équipes qui jouent vraiment entre 8 et 10 mètres. Hein. On voit très très peu de jeux courts. Je pense que les terrains font que on sait que si on pointe bien l'entrée assez loin, c'est dur pour les tireurs. Et là on voit encore une très très belle reprise de Jonathan Chevalier hein, qui va obliger Gilles Poifol à tirer sa dernière. Donc voilà Gilles Poifol qui va essayer de rétablir un peu la situation.
On sait qu'il est capable, hein. C'est manqué de la part de Gilles Poffel. Il n'y a plus qu'à faire un petit miracle pour Maria. Ça s'approche. Ça s'approche, mais ça reste encore un peu large hein, quand même. Hein. On a le point à Jonathan qui est à 15 du bouchon et la plus prête de Gilles et de Maria est à peu près à 50. Deux boules à 4. Faut essayer de colmater. Encore un petit peu de place pour faire un petit devant de boule. Alors qu'à côté. Une belle main se profilait pour l'équipe de Sébastien Laurin et Elisa Colino, mais il semble que Sébastien ait manqué de trip sur la main. Donc ils n'ont plus l'avantage de boule. Et là on voit que Maria a un petit peu traversé le jeu. Donc là c'est la dernière. Hein. C'est où tu te moques de la boule ou sinon tu risques de t'en prendre 3 ou 4 minimum. Maria Rigaud qui va jouer sa dernière boule. Ah, c'est pas mal joué. Après, c'est pas écarté. Hein. Elle a mis ses 3 boules à peu près à 40-50 du bouchon. Par contre, ça laisse une belle opportunité à Mallory Perrin et à John Chevalier de creuser un peu l'écart. 4 boules en main, point par terre. Donc c'est encore très bien joué de la part de Jonathan Chevalier. Hein. Qui pour un tireur pointe très bien hein, depuis ce matin. Hein. Donc, Mallory va au rond confiant. Hein. Elle va au rond confiante. Hein. Elle a 2 points par terre, le bouchon est protégé, 3 boules en main. Peut jouer à l'écart je pense de la part de Mallory, elle est en bas du jeu, ce qui fait qu'elle a dégueulé, elle a perdu le point. Un peu trop à gauche du bouchon, je pense que le jeu est plus à droite. Pour que ce soit payé, il faudrait qu'elle en mette au moins un minimum je pense. C'est bas encore. Alors elle doit avoir un sacré coup de main parce qu'elle est bien revenue. Bien joué, 3 par terre. Elle va jouer la dernière. C'est encore court et bas. Donc 3 points pour l'équipe Perrin-Chevalier qui mène désormais 5 à 2 après 3 mènes. Ah, c'est possible. Je sais pas si les PPF le national. Donc un jeu de bouchon de Jonathan Chevalier, pas bon. Donc maintenant avec le nouveau règlement. C'est les adversaires qui le placent à la main. Donc je pense qu'on va pas jouer très très loin non plus. Voilà, 8 mètres. Alors après c'est un règlement voilà, un petit peu bizarre quand même. Je pense que deux fois pour jeter le bouchon ce serait mieux. Parce
que ça, ça fait changer beaucoup de parties, hein, ce règlement. Hein. Juste un jet de bouchon, et si t'es pas entre les distances entre 6 et 10, et ben, du coup, c'est la décircule de pause, et c'est vrai que ça peut détruire beaucoup de parties. Je pense que deux fois, c'était pas mal. Donc, à voir avec la FED ce qu'ils en pensent. Donc là, pour l'instant, on n'est pas très loin. On est à peu près à 8 mètres. Alors là, on déplace un peu les caméras. Voilà, là, pour l'instant, on est à peu près à 8 mètres. Et donc, John a pointé à peu près à 50 devant. Et Maria, pas très bien tombé, vient de perdre le point. Alors, tandis qu'à côté, dans la première demi-finale du concours B, on a les valeureux finalistes de Vénarelle-Lôme 3 ans de suite et de Dijon 2 ans de suite, donc Sébastien Laurin, les anciens dans l'un, Elisa Colino de l'USCBL Vénarelle-Lôme, la Côte d'Or, qui mène 4 à 3 face à Vaux et Palella de Saône-et-Loire. Donc, quand même une belle équipe aussi, hein, Sébastien Laurin et Elisa Colino. Chaque fois qu'ils jouent ensemble, ils sont toujours présents, hein. Toujours, toujours, que ce soit dans le A ou dans le B. Bah là, cette année, tant pis pour eux, ils sont dans le B à Dijon, mais sinon, ils ont été toujours présents. Hein. Et tandis que mon collègue est parti regarder les scores des autres parties. Donc, on a vu une reprise de Maria Rigro et un trou de Mallory Perrin. John qui se présente au point. Donc John qui s'est pas privé, hein, il a très très bien joué, hein, parce qu'il a joué en face sa boule de devant, il s'est fait deux points. Il s'est fait deux points, je pense. Alors que dans la deuxième demi-finale, Arnaud Drocourt et Kelly Fuchès de la boule de Mirbeau mènent 3 à 1 face à Véronique Demuth et David Defosse. Et dans la deuxième demi-finale du B, Irène Barcelo et Alain Guyot de Dans Paris, dont je resalue une nouvelle fois le président Michael Fèvre, sont égalité de 3 partout, donc désolé pour les adversaires, mais je ne vois pas les noms. Et tandis que là, on vient de voir une belle frappe de Gilles Poiffol, qui a essayé de tirer les deux, mais qu'on n'a pris qu'une. Et qui a chiqué la deuxième, mais ça doit aller. Oui, ça va. Par contre, belle mène pour Mallory et Pigeon, parce que 3 boules à 2, ils en défendent 2. Ben c'est encore un carreau de la part de Mallory. Hein. Mallory qui a commencé ce matin en 8ème par une très 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 belle série au tir. Un tout petit peu en déclin en fin de partie, mais heureusement que ses adversaires n'ont pas trop profité. Mais elle fait vraiment un beau jeu. Et puis en quart, malgré un très beau jeu d'Alexandre Ferretti, ils ont réussi à s'en sortir en tournant. C'est une très très belle équipe. Hein. Et donc là, c'est encore gagné de la part de Maria. Donc une boule dans la main de Jonathan, une boule dans la main de Mallory qui défend deux points et une boule encore dans la main de Gilles. Oh, c'est juste derrière, juste sauté. Mais moi de derrière, j'aurais voulu exploser la boule, donc elle a dû avoir un bon petit morceau, je pense. Ce qui oblige Jonathan à pointer sa dernière. C'est gagné. Eh ben, c'est une mène de remonte pour Gilles et Maria. Hein. Si le grand vient à taper la boule, ça peut faire un ou deux. Alors, c'est tapé pour Gilles, est-ce que ça suffit ou pas?
Oui, je pense que oui. Donc, Chevalier Perrin mène désormais 5 à 3 face à Gilles Poffol et Maria Rigaud. Donc, toujours 5 à 3 pour l'équipe Chevalier Perrin face à Poifol et Rigaud. Et la petite dédicace pour un ami à moi, monsieur Bahama Bricou. Et ben Jean-Pierre Parnot, t'embrasse. Hein. Ainsi que ma collègue à côté, Claire Chazal. On t'embrasse, hein, gros. Pas de soucis. Donc voilà, on est reparti. Donc là, le bouchon est un peu plus court. Hein. On est à 7 mètres et Maria qui engage très très bien la mène. Et je pense qu'il va obliger Mallory à aller au rond. C'est encore cadré hein, pour Mallory. Hein. C'est encore cadré. Ah, c'est vrai qu'ils ont une puissance de tir qui est plutôt intéressante hein, entre Mallory qui fait quasiment 2 sur 3 voire 3 sur 3 toutes les mènes et plus Jonathan Chevalier derrière qui suit très très bien. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les adversaires, mais bon, rien n'est fait. On voit que Maria ne lâche rien, très très belle reprise. Ce qui oblige Mallory à retourner dans le rond. Donc je vais essayer de vous donner les scores des autres parties. Donc l'équipe Vaux-Palella ont égalisé 4 partout face à Sébastien Lorrain et Lisa Colino. Là on aperçoit encore que Mallory vient de cadrer sa deuxième. Et là c'est Maria qui pas très bien tombée je pense hein. Elle a coupé le deuxième mais pas très bien tombée hein. Ce qui va rendre la tâche un peu plus difficile à Gilles. Alors est-ce qu'on tire pour détruire et se faire tirer dessus ou est-ce qu'on pointe, je sais pas. Je pense que Gilles va pointer sa première, hein. C'est pas très loin, c'est ça le problème. Hein. C'est que c'est vraiment pas loin. Ah ouais, c'est très bien joué de la part de Gilles. Hein. Gilles, on connaît, hein, qui monte très bien les boules hein, et qui a quasiment embouchonné. Donc c'est Mallory qui se présente au tir. Ah. Alors, donc ça va être compliqué parce que Mallory est tombé sur le bouchon. Mais le bouchon est sorti. Donc du coup, mène annulé. Le score inchangé, 5 à 3 pour l'équipe de Perrin Chevalier face à Poifol Rigaud. Donc on est reparti sur une autre mène avec Gilles qui a jeté le bouchon aux alentours des 8 mètres. Alors désolé, on refait des réglages de caméra. C'est le meilleur, j'ai en plein face de moi, donc je vais essayer de faire au mieux. Et donc là, Maria Rigaud qui va pointer sa première boule.
Ouais, c'est bien joué de la part de Maria. Maria régulière depuis ce matin qui pointe très très bien et qui envoie directement Mallory Perrin sur le pas de tir. C'est encore tapé. Ça fait pas passer, mais c'est encore tapé. John qui continue d'être régulier, John qui pointe très très bien depuis ce matin, il a encore 30 devant le bouchon, mais en face on décide de pointer. Ah, alors c'est pas très pas... Ça a gagné, hein, je pense, ouais. Ça a gagné, mais c'est pas très bien tombé pour Maria. Ça gagne quand même. Le John décide de pointer. Il a une belle boule à jouer en face. Ouais, c'est bien joué. Ça doit gagner. Et bon, on décide de contre-attaquer. Pour Gilles Poifol, on va tirer. Oh, c'est magnifique carreau de Gilles. Bravo, bien tiré de la part de Gilles Poifol. Deux points par terre, trois boules à trois. C'est bien joué de la part de John, hein, qui a rentré sa boule de devant et qui a collé sa deuxième derrière le carreau à Gilles. Il a couvert la veine. Donc on a Gilles Poifol qui va au rond pour tirer. Alors c'est tapé, est-ce que ça suffit? Je suis pas sûr. Non, je ne pense pas. Je vois que les adversaires ne bougent pas. Alors que dans la partie des demi-finales du Grand Prix du B, Lisa Colino et Sébastien Lorrain viennent de marquer 2 points et mènent désormais 6 à 4 face à Vaux et Palella. Alors Gilles du coup n'a pas fait passer, du coup Maria a pointé, a perdu le point. Donc une boule en main pour Gilles Poifol et une boule chacun pour Jonathan et Mallory qui ont le point par terre, deux boules à une. Alors que dans la deuxième demi-finale du National A, l'équipe de Mirbeau, de Kelly Fuchès, ancienne vice-championne d'Europe, associée à Arnaud Drocourt, mène désormais 6 à 1 face à David Defosse et Véronique Demuth. Pour. Alors je vais essayer de vous donner le deuxième score de la deuxième demi-finale du Grand Prix de la ville de Dijon. Alors que là on voit Gilles Poifol qui vient d'embouchonner à sa dernière. Deux boules en main pour l'équipe de Mallory Perrin et Jonathan Chevalier.
Alors. Morel. 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 Pour Hirsch Laetitia, au terrain numéro 11, dans 10 minutes. Alors, ce soir en vert, parce qu'en face, c'est Barcelot avec Guyot. Regarde, bois. Barcelot, Guyot, c'est en blanc. Donc, tandis que là, on vient de voir un très beau carreau de Mallory. Alors, j'ai pas fait attention si elle a mis le troisième. Donc, voilà. Mon ami Gilles Poffol me confirme 2 points pour l'équipe de Mallory Perrin et Jonathan Chevalier, qui avance un petit peu au score, qui rentre dans la gagne et qui mène désormais 7 à 3 face à Maria Rigaud et Gilles Poffol. Donc là, on a un jet de bouchon qui est aux alentours des 7,58 m. C'est pas tout le boulot au Boris. Et je vais vous donner le score de la deuxième partie du Grand Prix. Donc, alors l'équipe en vert et noir, je suis désolé pour eux, je connais pas leur nom, je les aurai tout à l'heure, mène désormais 10 à 3 face à l'équipe de Dan Paris, de Irène Barcelot et Alain Guyot. Et donc là, pour repartir sur notre partie, nous avons Bouchon qui est aux alentours des 7,50 m. Et un appoint de John Chevalier qui est sur les 40-45 cm de côté, un peu à droite. Donc ce qui va faire pointer Maria. C'est un petit peu court, je pense, pour Maria, qui a dû perdre le point. Ça va sur quelque chose, sur la FM TV, sur la web TV. Voilà, donc c'est gagné pour Maria. Un petit peu à la sautée de sa première boule qu'elle a jouée un petit peu courte. Donc j'en profite pour vous rappeler qu'on vous fera suivre les finales du National A et du National B aux alentours des 16h15-16h30, hein, suivant les fans de partie. Et là, on vient encore d'assister à un carreau de Mallory Perrin. On voit un John Chevalier un peu surpris, un peu épaté, mais c'est vrai que ça doit être agréable, hein, de jouer avec une fille qui fait autant de carreaux. Après, il faut pas enlever son niveau à lui, hein, parce qu'il joue vraiment bien depuis ce matin. Ça fait 3 parties d'affilée qu'on les suit. Peut-être 4 si celle-là se termine bien pour eux. Mais en tout cas, ça joue vraiment bien. Bon, Gilles Boffol pour essayer de rendre le carreau à Mallory. Hein. C'est frappé pour Gilles, mais ça cadre pas. Donc Gilles Poffol qui reste quand même sur demi, quart et huitième du championnat de France vétéran. Et 2 fois contre les futurs champions, une année contre Fasino et puis une année, cette année, contre une équipe, je ne sais plus d'où, mais qui ont été champions de France. Donc ça reste vraiment des joueurs très très gentils et très bons à la pétanque. Hein. Donc là, on voit une belle reprise de Maria et Mallory qui repart sur le champ de tir. 4-2 pour l'équipe de Perrin Chevalier. C'est encore cadré. Hein. C'est encore cadré. Alors que dans la première demi-finale du concours B, l'équipe de Lisa Colino et Sébastien Lorrain mène 8 à 4 face à Vaux et Palella. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait, Gilles? Est-ce qu'on essaye de bien pointer 2 fois? Est-ce qu'on tire à la boule pour pas perdre? Est-ce qu'on tire au bouchon? Je pense pas, hein, 3-7. Je pense qu'il faut bien pointer 2 fois et puis espérer ne pas perdre. Je pense que Gilles va pointer la sienne. Il a bien trouvé que c'était
Ouais. Alors Gilles, en plus, qui a un jeu qui est hyper bien pour lui ici à Fenay, hein. C'est quelqu'un qui monte les boules à la perfection. Et vu les terrains, je pense qu'il préfère les terrains de Fenay que les terrains de Sablette. Hein. Donc c'est très très bien pointé de la part de Gilles. Et donc on a Mallory qui est au pas de tir. Ah, le problème il est là, hein. Le problème c'est que 3 sur 3 par 3 carreaux, hein. C'est pas facile. Hein. Alors j'ai un ami à moi qui est à côté de moi, elle a une colère, qui dit que même moi j'y arrive pas. Mais je suis pas le seul, hein, parce que j'ai Ferretti et Royer à côté de moi, ils y arrivent pas non plus, donc voilà. Puis le Benjamin Bricou, encore moins. Voilà, en tout cas très bien tiré de la part de Mallory. Donc Gilles qui va jouer sa dernière, hein. Je pense qu'il y en a déjà deux par terre, voire trois. Il y a encore deux boules dans les mains de Jonathan. Ah, c'est court pour Gilles. Allez, c'est deux par terre. Je pense que John, c'est où il fait deux carreaux pour gagner. Ou alors il assure gentiment et il pointe. Je pense qu'il va tirer. S'il fait deux carreaux, c'est terminé. Oh, alors c'est recul à la première, c'est tir à 5, 2 points par terre, carreau gagné. Un risque de contre, mais après un risque aussi de gagner. En tout cas, s'il termine sur cette main-là, ce serait fort. 5 frappes, 5 carreaux. Eh ben, c'est tapé, c'est cadré. 5. Le 6ème, il n'y est pas. Alors, je pense 4 sur. Peut-être 5 avec le carreau de John, sinon je pense pas qu'il aurait été tiré. Regardez, je pense qu'il y en a 5, hein. De là, moi je vous en donne 5. On va regarder, je vais demander confirmation à Jonathan, mais 5, donc c'est ça, 5, il avait carreau gagné, c'est bien tiré quand même, pas de contre. Donc 7 et 5, 12, 12 à 3 pour l'équipe de Chevalier Jonathan et Mallory Perrin contre Maria Rigaud et Gilles Poffol. Donc 12 à 3. Belle main, hein. Il y a un beau point d'entrée et 5 frappes par 3 carreaux, donc c'est compliqué, hein, pour les adversaires. Et là, forcément, on va rallonger. Hein. Alors, il est peut-être bon. On voit John qui a mesuré, il n'est pas sûr. On va faire mesurer Gilles. Ou je pense que sinon, non, il n'est pas bon du coup. Donc, ouais, forcément, on va raccourcir. Hein. Pas plus de 6 mètres 57 mètres. Donc je vous rappelle le score 12 à 3. Tandis qu'à côté pour l'instant ça joue encore dans le B, Lorrain et Colino mènent toujours 8 à 4. Et je vais demander à mon collègue qui me donne les scores des deux autres parties là-bas. Tu peux aller regarder les scores des deux parties là, s'il te plaît. En cours, c'est la même main. Donc, très beau point d'entrée de la part de John. Hein. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre pour Gilles et Maria. Hein. Faut aller au charbon et puis essayer de s'en sortir, parce qu'en face, ça joue vraiment bien. Ouais. Et c'est chiqué de la part de Gilles d'entrée. Ça sent pas très très bon. Alors qu'on voit un petit peu de monde qui arrive à Fenay quand même, on a le beau temps cet après-midi, hein. On a eu peur un peu ce matin, mais on a le beau temps. Donc là on vient d'apercevoir un super carreau de Gilles Poffol. Boule de retard, mais vu la forme de Mallory, ça devrait pas lui poser trop de problèmes. Bah, il suffisait que je dise ça pour qu'elle manque.
Merci. Alors, pour vous donner un peu de résultats à côté, donc on a l'équipe de Dans Paris, Irène Barcelo et Alain Guyot, qui sont 3 à 11. Alors, désolé encore pour eux, mais je n'ai pas les noms des joueurs en vert et noir. Et dans l'autre demi-finale, l'équipe de Mirbeau, présidée par Jonathan Milanetto, mène 8 à 1 contre Véronique Defosse, Véronique Demuth et David Defosse. Voilà. Et donc là, donc on a vu un petit carreau allongé de Mallory, une belle reprise de Maria. Et pour Mallory, on retourne au pas de tir. Ça a encore tapé, hein. Et c'est des points, on va dire, familièrement pétanques, on va dire un peu bâtards. C'est des points qui sont à 66 de côté, mais que ici peuvent se perdre, comme se gagner, hein, comme tous les points, mais bon. 3 boules à 2 pour l'équipe Poifol. Ouais, c'est bien joué de la part de Maria qui vient d'embouchonner. Alors c'est carreau pour Jonathan et je pense que c'est la boule à Mallory qui est derrière. Il me semble que c'est son deuxième tir. Ouais, c'est bien ça. Donc 2 boules pour l'équipe Poifol, 1 boule pour l'équipe Chevalier. Mais le 13ème par terre, un beau point à 35-40 du bouchon. C'est à l'entour des 8 mètres. Donc ouais, on a Maria qui va essayer de gagner le point, faire jouer la dernière, puis on laisse une agile. C'est super bien joué, c'est à gagner. C'est gagné, 10 derrière le bouchon. Maintenant c'est simple. Si John vient taper la boule, faut que Gilles rentre, sinon il a perdu. Et s'il vient manquer, ben, vous allez pouvoir suivre encore une main ou deux. Voire 3 ou 4, on ne sait pas. Ah, c'est bien tiré de la part de John sans le bouchon. Et eh ben c'est manqué perdu pour Gilles, hein. Il n'a pas le droit à l'erreur, hein. Donc la boule est à peu près à 30 cm sur le côté. Il peut même pas tirer parce que l'équipe de Chevalier Perrin ont 2 points par terre. Donc voilà, c'est manqué perdu pour Gilles, en espérant qu'il gagne le point, qu'on puisse vous faire suivre encore 2-3 mains. Voire plus, hein, on sait jamais à ce jeu-là. Ouais, alors c'est super bien joué de la part de Gilles. Hein. Il a gagné le point. Et du coup, qui permet à son équipe d'être mené plus que 4 à 12, surtout de ne pas perdre. Vraiment très bien joué. Gilles qui a allongé un tout petit peu. On est aux alentours des 8 mètres, 8 mètres 50 là. Donc on est reparti avec Maria au point, qui est pas très bien tombé mais qui est bien arrivé. Un beau point, 40 du bouchon. Ouais. Alors que John fait une très belle reprise, hein, bien montée, bien jouée, bien tombée.
ce qui va obliger Gilles Coiffol à aller au tir. Et je pense que le grand essai, qu'ils n'ont plus trop le droit à l'erreur, hein. 4 à 12. Et vu le niveau adverse, c'est compliqué. Hein. Ça manquait de la part de Gilles un peu court. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au bouchon tout de suite? Est-ce qu'on fait pointer Maria? Non, je pense que Gilles retourne au tir. Je pense que la boule est un peu derrière le bouchon, il peut encore tirer boule bouchon. Tirer la boule, c'est le carreau pour Gilles. Petit carreau déplacé. Comme il dit, il a monté un peu la main. Je pense qu'il visait plus le bouchon que la boule. John au point. Ouais, c'est compliqué, hein. Il joue vraiment bien. Hein. Encore embouchonné par John. Mais la table. Hein. Là, pour un tireur, il pointe bien. Hein. Je pense que le mieux pour Gilles, hein, s'il avait l'idée de sortir le bouchon, ce serait pas mal. Même si c'est très dur, ce serait pas mal. Alors, sur la tête, mais c'est passé. Deux points par terre. Deux boules à quatre, mais deux points par terre. Ça va dépendre de cela, John. Hein. S'il vient à faire jouer encore tout de suite, il aura fait une sacrée mène. Hein. À dire, c'est dans le bouchon, c'est dans le bouchon encore. Et ben écoute, hein, ma petite Maria, hein, faut y aller. Hein. Même mettre devant, personne te dira rien. Ah, c'est dommage, c'est bien tiré pour Maria qui vient de tirer sa première boule de l'après-midi. C'est juste chiqué. Alors là, ça sent pas très très bon. Trois boules en main pour Mallory Perrin. Une boule pour Maria Rigaud. Je pense qu'ils le savent aussi, les bleus. Hein. Ça sent pas bon. Non, bah c'est manqué perdu aussi pour Maria. Hein. Ouais, bah c'est manqué. Donc voilà, la première équipe qualifiée pour la finale du National de Dijon. Ce qu'on vous présente depuis ce matin, alors je sais pas si c'est un signe pour eux, je leur souhaite à malgré tout. On fait pas exprès de présenter toujours les mêmes, hein. C'est juste qu'on tombe par rapport au terrain qu'on nous attribue. Donc Mallory Perrin de Bourbon-Lancy et Jonathan Chevalier de la Selle-Morvan qui viennent de battre Maria Rigaud du Cochonnet du Lac et Gilles Boiffol 13 à 4 de Vénaret en demi-finale. Donc je vous retrouve, il est 15h07, je vous retrouve d'ici une petite heure pour les deux finales. Et en attendant, ben merci à vous et à tout à l'heure.